Bonjour à tous, Othmane Gabardi vous présente chaîne spécialisée électricité industrielle. Cet article traite comment installer le prêt-à-poser pour créer un va-et-vient d'éclairage avec micro-module sans tirer de fil. Par sécurité, coupez le courant au disjoncteur. Vous allez commencer par installer le micro-module près de l'éclairage à commander. Il s'encastre dans une boîte point de centre ou applique équipée. Il commande tout type de lampe. Les puissances maxi sont indiquées sur la notice. Raccordez les fils sur les bornes, le fil de phase, le fil de neutre. Raccordez en bornier DCL, un fil de neutre, un fil de phase coupé. Pensez à raccorder le fil de terre sur la DCL. Pour terminer, raccordez les deux fils au micro-module, le fil de neutre de phase coupée. Une fois que vous avez terminé, rétablissez le courant. Le voyant du micro-module clignote en orange. Préparez maintenant les commandes d'éclairage sans fil. Retirez la languette de protection de la pile. Appuyez brièvement au centre de chacune des commandes sans fil. Les voyants clignotent en vert, passent en orange fixe. Le voyant du micro-module s'éteint. Les deux commandes sont fonctionnelles. Testez l'installation. Appuyez sur le bas de la touche de chacune des commandes sans fil. L'éclairage s'allume. Appuyez sur le haut, il s'éteint. Positionnez les adhésifs fournis au dos des commandes d'éclairage sans fil. Avant de coller celle-ci sur le mur, nous vous recommandons de faire un test sur une zone non visible du mur. Clipsez les plaques de finition Céliane fournies sur les commandes sans fil. Nous allons maintenant vous montrer comment ajouter une commande d'éclairage sans fil pour commander l'éclairage depuis plusieurs endroits différents. Jusqu'à ce que son voyant s'allume brièvement en orange, puis relâchez l'appui. Le voyant du micro-module d'éclairage s'allume en orange fixe. Retirez la languette de protection de la commande d'éclairage sans fil que vous ajoutez. Appuyez brièvement avec la commande sans fil à ajouter. Son voyant clignote en vert, passe en orange fixe, puis s'éteint. Appuyez deux fois brièvement au centre d'une des commandes sans fil. Tous les voyants sont éteints. La configuration est terminée. Le voyant du micro-module d'éclairage installé s'éteint. La commande sans fil ajoutée est fonctionnelle.